Toujours sauf. Donc, la dernière fois s'est très bien passé. La dernière fois... En tout cas, bienvenue tout le monde déjà. La dernière fois, nous avions trouvé le pavillon de chasse. Le pavillon. Donc, nous étions passés par... A chaque fois, j'ai l'impression que cette portion de map, elle est un peu plus décalée sur la droite. Ça me... C'est embêtant. Enfin bref. Donc, nous sommes allés au pavillon de chasse la dernière fois. Donc, du coup... Alors, nous étions partis au lac. Faudrait qu'on dessine cette partie-là, ça me gêne d'avoir du gros noir. On avait pris donc ce pont. Il y avait un grillage là. On a passé le grillage et on est monté comme ça. Et on a pris cette route-là pour aller directement au pavillon. Donc on a, il y a plein de tissus, il y a plein de choses au pavillon. Donc je crois qu'on va y retourner. Par contre, bon, on a un temps de merde apparemment. Et après, on est allé aussi chercher ici un peu. Là, on a récupéré des... on a récupéré beaucoup de champignons, de baies et tout ça. On a trouvé une grotte ici aussi. Et voilà. Et après, on a fait le tour et on est retombé ici, en fait. Enfin, quelque part, comme ça. Ouais, là, je crois. On est retombé. Ouais, on a fait comme ça. Et on est il y avait un pont, là. Je sais pas, passerelle instable, là, c'est ça. C'est marrant, s'il y a écrit passerelle instable, mais elle est pas vraiment... Enfin, elle est pas dessinée, quoi. On va imaginer que c'est là, j'imagine. On va dire ça. Et du coup, après, on a dû descendre. Parce que... parce qu'on s'est bloqué comme un con. Faut être honnête, hein. On s'est bloqué comme un con à la bordure, et du coup, on a dû sauter. Enfin, bref. Nous avons une corde, donc je pense qu'on va l'utiliser ici. Je crois que c'était à peu près là, où on avait une sorte de descente. Je pense qu'on va faire ça. On n'a pas vraiment un temps... Un bon temps. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Donc je sais pas trop. Il fait encore nuit, donc on peut pas faire grand... On va lire tout simplement, je crois. Non, c'est con ce que je viens de faire, oui, parce que je viens de dire qu'il faisait nuit, donc du coup, oui, on peut pas lire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Enfin voilà, dans cet épisode, du coup, je crois qu'on va d'abord installer la corde en premier. Et après, en deuxième temps, on va retourner au pavillon. Et j'avais dit la dernière fois qu'on allait rafistoler tout notre équipement là, avec du tissu. Je crois qu'on va faire ça. Parce qu'en plus, ça va nous aider pour le raccommodage. Ça serait bien qu'on passe niveau 3. Ce serait vraiment sympa qu'on passe niveau 3. Par contre, merde, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on n'a qu'à faire ça. Voilà. Voilà. On n'a qu'à faire ça. Et ça nous fait un peu de bois. Donc, on va prendre la corde et on va faire d'abord la corde. Il fait pas très froid. On va prendre ça aussi. Parce que si jamais on doit faire... on est à 41 kilos. Ok, très bien. On y va. Alors faut faire attention parce que ça fait un moment qu'on n'était pas venu ici. Donc j'ai un peu peur que les loups soient revenus. On a du vent, il fait froid. C'est un peu embêtant. Donc c'est par là-bas, hein, la corde. Donc, on va aller la placer. Ah, il faut savoir que si on place les cordes, on peut les récupérer, hein, donc il n'y a pas de problème. Y a vraiment pas de problème. Donc on
On a de l'eau, on a de la nourriture. J'ai pris, vous avez vu, j'ai pris un... un gibier. Et un loup, parce que le gibier a plus de calories. Il y a quoi? C'est quoi ce chemin là qui monte? Je suis en train de me demander, je connais. Je crois, enfin, vu que ça monte derrière, c'est l'autoroute. Enfin, l'autoroute, le... comment dire, la route d'où on venait, hein, vous voyez, avec le pont et tout ça, je crois que c'est là. Pour partir, peut-être que quand on partira, on ira par là. Alors, on va peut-être devoir se réchauffer un peu. Je dirais, on prend la corde, on descend et on fait du feu en bas. Ou alors on fait du feu maintenant ici. Le vent, attends, le vent est où? Le vent est là. Alors par contre il fait jour. Est-ce que... yes. Ah ah. Ah ah. On va utiliser le bois qu'on a récupéré, c'est pas grave, on le fait maintenant. Et on va s'en servir pour faire cuire aussi des thés. Comme ça on se réchauffe et on aura le bonus. Et on va installer la corde pendant qu'il y a le feu aussi. Vous avez vu ça un peu? On fait tout en même temps ici. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant, ouais, je sais, c'est super impressionnant. Ah. C'est bon. Allez. Merde, on est trop loin du feu. Ah, t'es sérieux, on est trop loin du feu. Mince. Non, on voit pas. Mince. Ça, c'est embêtant du coup. Là, faut vraiment être... oh, bref, ça allait, ça. Faut vraiment être collé en fait. On va voir ça. Voilà, on vous a bien réchauffé. C'est parti. Geronimo! Oh mon dieu, c'est haut. Je pensais pas que c'était aussi haut. Merde. On va sûrement devoir... bon, on a du feu, c'est pas grave. Donc ça va. On va devoir, sûrement devoir se reposer en bas. Ok, on y est. Alors, fais voir un peu où on est. Ok, on a une chute d'eau. Intéressant. Ok, on pourrait faire un
petit camp ici, récupérer la peau du cerf, la viande et tout. C'est quoi ça? C'est un loup? Une carcasse de loup. Intéressant. Ça va, il fait moins froid. On a des massettes. Je suis bloqué. J'ai cru qu'on pouvait aller là, mais pas vraiment. On va pouvoir faire du feu, hein, ça. Ah bah tiens, encore un stimulant parce que on en avait pas assez. Ok, ça c'est pas vraiment utile. Encore un cerf. Des massettes. Oh! Je crois que c'est le pont qu'on avait vu au loin. Vous vous rappelez quand on était venu ici? Où j'ai dit qu'il y avait un pont. On voyait un pont au fond. Et du coup on n'y est pas allé parce qu'on voulait se mettre à l'abri. Mais je crois que c'est ça. On va voir s'il y a des trucs. Bon bah ouais. Enfin, c'est pas fameux l'exploration, j'avoue. Ah, il y a une caisse. Peut-être que. Oh, une boîte de thé. Ah. On va faire un feu pour se réchauffer. Pas mal. Il faut se réchauffer quand même. On peut se réchauffer. Là, genre là, on est bien protégé ou pas? Là, on est protégé. Est-ce qu'on est protégé genre partout? Ouais, je crois que là, ça fait une petite... petite cuve, là. Ok, c'est bien. Alors, on va en profiter. On en profite, hein. Loupe, hein. Loupe à mort. Ah bah c'est pas mal, là. Ça vaut le coup. Rien que le café, oui. Ah oui, ah oui. Là, ça vaut le coup, là. Je veux pas dire, mais c'est bien. Ah, on pourrait aller récupérer le cerf. La viande de cerf. On n'a pas vraiment besoin des masses non plus. Voilà, ça devrait être bien comme ça. Café 7. Voilà, très bien. Le café, je sais pas si ça descend l'état. Je crois pas. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'aller récupérer la viande? Je pense pas. Mais on peut faire 5 cafés. C'est bien ça. C'est très bien. On va les garder de côté. C'est très très bien. Du coup, la map.
Fais voir un peu la map. Donc on a dessiné là. Ah c'est bien ça, a dessiné quand même pas mal de... Ouais, c'est très bien là. Très très bien. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ça a recyclé. Du coup, je crois qu'on va devoir dormir un peu. Parce que... Parce qu'il va falloir remonter. Une demi-heure, ça aussi, on n'en a pas l'utilité. Je pense qu'on va dormir ici. C'est ça. On va en profiter pour dormir. Parce que il va falloir qu'on regrimpe. Et ça va être un peu un problème. Ok, c'est bien là. Bouillie dans 3 minutes. Ah, très bien. Faut pas trop parce que j'ai pas trop envie de tenter le diable avec le temps. Il risque de faire froid d'un coup. Mais là on a le feu plus le sac. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on pourrait partir. Après on a le café qu'on pourrait prendre. Peut-être dormir une deuxième heure. Très bien. On a toujours trop de bois, hein, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose de toute façon. Je pense qu'on va peut-être jeter l'eau en fait. Si on n'arrive pas à baisser. Je dirais qu'on jette l'eau. Qu'on jette complètement l'eau. Putain, il fait un beau temps en plus. Ah, attendez. On va peut-être regarder pour des torches. On n'a pas trop le temps en fait. On n'a pas trop le temps de les détruire là, de les recycler. On va juste partir. Donc on va remonter. On va déposer toute notre eau. On va balancer toute notre eau et on va remonter. Bon, il y a plein de carcasses de cerfs, honnêtement, on va pas les prendre, ça sert à rien. Pas vraiment de but. Ah, bien sûr, il y a la peau et tout, mais c'est hein, c'est pas très important pour le moment. Après, si vraiment on en a besoin, oui. Pff, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Non, on est en mode exploration. Non, c'est bon. On est en mode exploration. De toute façon, les cerfs, c'est comme les loups, il y en a plein aussi. C'est marrant qu'il y a un loup aussi ici. J'imagine que le loup il est mort à cause de peut-être de l'effondrement. Je dirais. Il y a
Alors maintenant on remonte. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait en une fois ou on fait en deux fois? Parce que c'est quand même bien bien haut. C'est quand même bien 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 haut. Je pense qu'on va s'arrêter sur la corniche. Peut-être. Ce serait le plus safe. Par contre, on est quand même à 42 kg. Ah, on a beaucoup, beaucoup de bois. Bon, on peut pas attendre des siècles et tout non plus. J'étais tout 38. J'ai un peu peur que ça soit juste en fait. J'ai un peu peur que ça soit un peu juste. Ça m'embête de laisser tout le bois là. Ah, ça m'emmerde. Allez, go. Je crois qu'on va faire une pause sur la corniche et dormir. Voilà. Ah. Okay, ça va commencer à... Il fait froid ou pas? Moins 5 degrés, 4-5. Ouais. Je crois qu'on va devoir faire un feu quand même. C'est un peu dangereux de... Juste de dormir comme ça sans feu. Moins 3, enfin, ça va. Allez, on va en profiter. Tout ça pour se remettre d'aplomb là pour pouvoir prendre cette corde à la con. Ok. C'est bon. C'est reparti. C'est bon. Résultat des courses, on a récupéré quand même du café. Plein de morceaux de bois. Ah, ça valait le coup. Ça valait le coup. Allez, on rentre. Eh ben, c'était pas une découverte extra intéressante. Mais bon. Ça vaut le coup quand même. Alors on va un peu sprinter vu qu'elle est pas fatiguée, il fait presque nuit. Du coup je suis en train de me dire pourquoi pas aller voir là. Comme ça on regarde le pont par dessus cette fois. Et on voit s'il y a des choses intéressantes. Parce que vu qu'il fait pas très froid, donc autant explorer. Ouais non ça va, on aura le temps. On aura le temps de revenir chez nous tranquillement. Sauf si bien sûr il y a un temps pourri qui se lève. Mais... Non, en théorie, ça va. En plus, il fait encore jour, donc on peut encore utiliser le... Utiliser la loupe pour faire du feu. Ah, le pont, il est là. Bon, on ira dormir et demain on retournera au pavillon. Alors là, faut faire gaffe, il y a peut-être des loups. Putain, c'est un lapin là, quoi. Bon, il faut effondrer.
Ok. Donc du coup, on n'a pas visité ça. Ah non, je crois que ouais, on n'a pas du tout visité ce que j'avais dit qu'on le ferait plus tard quand on repartira. Ah, quoique c'est ouvert. Ça, si on y allait, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Bon, on verra de toute façon avec la voiture. Le capot est pas ouvert. J'ai oublié d'ouvrir le capot. Ouais, j'avais oublié d'ouvrir le capot. Ça marche. On va passer par là. Attends, il y a deux chemins? Je crois qu'on va devoir faire de la descente. Là, on commence à avoir l'habitude. Ouais, on va devoir... Ah, c'est bon. On est bon, on peut rentrer chez nous. Est-ce qu'il y a des loups? Non, il n'y a rien qui bouge. Eh ben, c'était une bonne aventure. C'était une bonne aventure. C'était une très bonne aventure par rapport à... en bas, là. Tiens, c'est la première fois qu'on passe par là. On va déposer tout le bois qu'on a récupéré. C'est bien, c'est du bois gratuit. Voilà, ça c'est bien, c'est très bien. Hein. Voilà, on a encore un livre. Donc ça c'est un livre de Dark, on s'en fout. Ça oui, on avait trouvé un autre Fire Steel, c'est vrai. Ah oui, on a trouvé ça aussi. C'est bien. Je sais pas si on les prendra, ces objets. Parce que pour l'instant, on peut pas faire de douille, donc ça m'étonnerait que... Enfin, on peut pas faire de balles si on n'a pas de douille. Je sais pas si on trouvera des douilles un jour. Ok, ça c'est bon. Ah, on a encore du bois là, j'avais oublié. Prendre ça, 2, 4. Ah, très bien. C'est vrai qu'on a des thés aussi ici. Voilà. Je dirais que pourquoi pas faire des fûts de flèches. On a encore du temps. On a que 3 litres. On n'est pas censé avoir 4. Fût de flèche. C'est pas le bon bois. Ça c'est pour faire un arc. Ah bon bah. Jeune érable séché. Ouais c'est pour l'arc ça, jeune érable séché. Ouais. Bon, mais pas d'arc. Pas de flèche. Euh... 93%. Qu'est-ce que... Je sais pas. Je sais pas quoi faire. On peut déjà coudre un peu le temps de qu'il fasse nuit en fait. Genre ça. Ça paraît 13 minutes. Ah non, c'est 13 minutes. Ça va être vite fait.
Après, elle est pas super fatiguée, donc qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait non, faudrait qu'on perde du temps. De fire steel, des allumettes. On va déposer des choses. On va déposer des choses à l'extérieur. Là, ce sont les animaux. J'ai eu peur pendant un moment. Oh, c'est embêtant. Arrête de claquer des dents. Voilà. Deux boîtes d'allumettes pleines. Avec deux fire steel. C'est bien. On les prendra pour revenir à la maison. On a des torches qui sont en bon état. Nous avons... ça, ça... elle est trop fatiguée pour aller prendre la corde. Parce que j'étais en train de me dire, peut-être qu'on pourrait directement partir en fait pour le... et dormir là-bas, au pavillon. Mais en fait, non, la corde, elle est trop fatiguée. Je suis en train de me dire que le café, on devrait le prendre, mais je suis pas sûr. Enfin, le fer, pardon. J'emploie les mauvais mots des fois quand je suis perdu dans mes pensées. N'a qu'à aller dormir, n'a qu'à lire le livre du revolver là pendant une heure. Enfin, je crois qu'on n'aura pas le temps de le lire. Je crois honnêtement qu'on n'aura pas le temps. Ah si, ça passe. Ça passe! Bon ben voilà. Bon ben voilà. Alors elle va pas dormir toute la nuit parce qu'elle va, elle est pas assez fatiguée. On va sûrement devoir passer du temps. Sauf... ouais, on va devoir passer du temps et attendre. On va voir si on peut pas casser des caisses. Juste à côté, il y a des caisses normalement. Voilà. Ouais, très bien. Voilà, là, là, là. Une caisse encore. Et après, on dort. Il n'y a qu'à dormir 2 heures. Voilà. Et on va partir. On va se vider encore un peu. Faut que je pose des objets par terre. Parce qu'on a pas mal de tissus à prendre. Donc je me dis peut-être qu'on devrait tout simplement... prendre au moins une trentaine ou une quarantaine de tissus. Donc ça va peser lourd quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a des pots aussi à prendre, non? On a des pots.
Voilà. Sac de couchage, on garde sur nous, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver en fait. Le bois, on va en mettre là, du bois. C'est un peu le bordel honnêtement ici. Il y a du bois partout, on est à 31 kg, c'est bon. Ah ouais, il fait froid par contre. Je suis pas sûr que... On va peut-être lire une heure avant de partir. Merde, je pense pas qu'il faisait aussi froid. Donc il va falloir prendre la corde là, on fait ligne droite comme ça. Attends, on va faire ça. Pour se réchauffer. Ok. Ok, là il devrait faire bon, là il n'y a pas de froid, il n'y a pas de vent. Pas de vent du tout même, on n'entend rien. D'accord, oubliez complètement ce que j'ai dit. Bon bah on y va. Hein. Ah le pavillon est là, la corde est juste là. Bon par contre on avait vu qu'il y avait des loups. Donc 1, 2... Attendez, par où on passe. Je voudrais pas les aggro en fait. Ah oh, t'es sérieux? C'est bon. Il y a beaucoup de loups, hein. Il va falloir faire attention. Il y a beaucoup de loups. Ils sont en train de s'appeler les uns les autres. Je vais être honnête, je sais pas s'il y a vraiment... Genre... une mécanique quand ils crient comme ça. Est-ce qu'ils sont en train de s'appeler? Est-ce que petit à petit ils se regroupent? Je sais pas si vraiment il y a ça dans le jeu. Oh, il y a un cerf. Allez, là, attends. Oh merde. On est en train de pousser le cerf sur les loups. C'est pas grave. Allez, on monte. Donc on va coudre tous nos vêtements. Et après, comme j'ai dit, on va récupérer le plus de tissu possible et peut-être toutes les peaux aussi. Et après, on rentre. Ah, très bien. C'est une petite corde, donc ça fatigue pas trop. Ah, la froid. Je voulais aller découper un peu plus de viande là qu'on a derrière. Enfin, s'ils sont encore là, les loups. Mais au final, non. On a plein de bois, d'eau. Bon, ben, c'est parti. C'est parti. On va coudre. Donc ça va pas être super intéressant, mais...
C'est ce qu'on va faire. On va coudre tous nos vêtements. On répare tous nos vêtements, c'est bien, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, façon de parler. Faut faire attention avec le temps. Ah, maintenant, c'est un peu plus long, hein, par contre. Parce qu'on n'a plus le kit de couture. Le kit de couture, on va le jeter. On va peut-être dormir ici. Je sais pas trop encore. Ouais, enfin, le temps qu'on va mettre pour tout recoudre, oui, on va sûrement dormir ici, honnêtement. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Ça. Ça prend beaucoup de temps hein, maintenant avec, avec le kit de pêche. Hein. Mais bon. Ça nous fait augmenter aussi la couture. C'est bien. Faut qu'on regarde si on a augmenté ou pas. Ouais, pas des masses. Ah, raccommodage, c'est long. Hein. C'est très long quand même. Très bien. Il y a les bottes en peau de serre qu'il faudrait faire aussi avant de partir. Les peaux en peau de serre seraient pas mal. Les bottes, pardon, en peau de serre. Les peaux en peau de serre. Les bottes en peau de serre. Il va faire nuit. Il va faire nuit, mais elle est pas méga fatiguée. Ouais, quoi que si, en fait. Il se passe vite. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il y a ces bottes-là. Il nous faut une peau de serre et un seul boyau. Donc, c'est pas trop... C'est pas trop un problème. C'est pas trop un problème. Donc, ça, on pourrait le faire avant de partir. Après, ces quatre... Après, ce pantalon-là aussi. Ça pourrait être bien de le faire avant de partir. On a la fourrure de loup, oui on en a plein des loups, on en a plein donc ce serait pas très, très embêtant. Je crois qu'on a fait tous les vêtements. Ça on vient de le faire, c'est déjà à 99% quoi, quel foutage de gueule. Quel foutage de gueule. Rien que pour la peine, j'ai envie de le j'ai envie de le refaire quoi. Oh putain. Et bah c'est tout. Et bah c'est tout. On va regarder à l'extérieur si on peut pas genre perdre un peu de temps, genre récupérer de la viande, des plumes, des trucs. Ouais, pas grand chose. On pourrait prendre des boyaux. Il fait froid? Non, il fait pas froid. Attends. On peut faire ça. Récupère un boyau. Alors le problème c'est que quand on va rentrer, on va puer la barbaque si on prend les boyaux frais. Donc,
Donc dans un sens, je suis en train de me dire, est-ce que on prend les boyaux frais? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on prend les boyaux? On peut prendre les pots, ça, s'il n'y a pas de problème. Mais les boyaux, du coup, ça va poser un problème. Ah, la peau de lapin est sèche et est prête. On pourrait faire... on pourrait faire ça. 43 minutes, on pourrait faire ça. C'est pas sec, merde. Là-bas, on peut pas. Eh ben, on peut pas. Ah oui, le faitout, qu'est-ce qu'on fait? Le faitout, est-ce qu'on le prend ou pas? J'ai envie de dire que le faitout, on a qu'à... Ouais, on a qu'à le prendre et le mettre à l'abri. Je sais pas si on le prend. Si, on va le mettre... Oh, oui, si, si, on va le prendre à l'abri. Et on va le laisser... On va en laisser... On va en prendre un pour revenir chez nous. Quoique, je suis en train de me dire, en fait, non, on n'a pas besoin d'en prendre un. Je crois qu'on avait plus de faitout que nécessaire, non? Quand... Au lac mystère. Je crois. Je crois qu'on avait plus de faitout que nécessaire, donc à la limite on peut laisser ces deux-là à l'abri et rentrer juste avec les canettes. Là. Ah, je sais pas trop. On va déposer le boyau. Voilà. Du coup on va aller dormir. Pendant qu'on voit un tout petit peu. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on a à faire? Est-ce qu'on continue? Je crois qu'on va peut-être continuer. On va juste rentrer en fait. On va aller dormir. On va dormir maintenant. Ah, il y a ça aussi. Réparer. Est-ce qu'on peut le réparer? Il va faire nuit. Ouais, échec. Yes, ça passe. Parfait, parfait. Bon bah ça c'est cool, ça c'est cool. Tout. J'avais complètement oublié le duvet. Donc ça c'est bien. Après on va se réveiller, on va prendre le plus possible de tissu. Et on va prendre les peaux aussi. Les boyaux, je sais pas si on va les prendre, parce que ça va être un peu dangereux, parce que les loups vont nous sentir. Alors à la limite, on peut prendre les boyaux, mais du coup, il faut pas en prendre qu'un seul, il faut prendre au moins, enfin, tous les boyaux. Et à la limite, si les loups nous poursuivent, on les met par terre, on en fait des appâts. Et vu qu'on en a trois, il y avait deux loups, on risque de perdre les deux appâts, mais enfin, les deux boyaux, mais voilà, on en sauvegardera un, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En garde. Et dans le meilleur des cas, on n'a même pas besoin d'en mettre un par terre. Mais il faudra voir. Ouais, on va faire ça. Je pense que c'est une bonne idée comme ça. Bah, très bien. Très très bien, il fait pas encore jour, donc je crois qu'on fait pas assez pour le livre. Donc ça c'est bientôt fini aussi, on a bientôt le niveau, on a bientôt fini, donc on a bientôt le niveau normalement. Je crois que le premier livre fait toujours un niveau au moins, donc ça c'est bien. Alors accommodage a un peu avancé, mais pas des masses, pas des masses, des masses. J'attends, honnêtement, et là, il n'y a rien à faire, en fait. Ouais, j'attends.
Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, est-ce que on part la prochaine fois ou pas? Bah tiens, on va décider. Est-ce qu'on se casse ou pas? Je pense qu'on va rentrer le prochain épisode. Je pense que là, on va rentrer donc à l'abri là. L'abri de maintenance, on va prendre donc tout le tissu, enfin la plupart, on va prendre les pots et tout. On va rentrer là, on va rentrer à l'abri. Et on va faire l'inventaire, parce que bon, on a visité ici, on a pris les bois, on a visité là aussi, on a pris... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les bois aussi à prendre. Donc au final, je crois qu'on a fini, hein, honnêtement. Ouais, on n'a pas grand-chose à faire. Je crois qu'on a fait plus ou moins toute la zone. La zone est... On a peut-être oublié, enfin oublié, on a peut-être loupé des petits trucs, des petites choses. On avait une grotte. Alors cette grotte, on l'a vue. On avait une grotte ici aussi avec l'ours. Est-ce qu'on l'a visitée, la grotte? Je sais plus si on est rentré dedans. Mais ouais, je crois que le prochain épisode, on part, honnêtement. Je crois qu'on se casse. On va se casser la prochaine fois. On va lire le livre. On va lire le livre, on va attendre, on va lire le livre. Comme ça, on aura fini le livre et on le laisse là. Mais ouais, je pense qu'on va faire ça. On va pouvoir partir. C'est presque bon. On récupère. Il y a Muskegmorn. Honnêtement, j'ai peur de partir. À cause de Muskegmorn. Muskegmorn n'est vraiment pas fun. Surtout que on a un ours sur le chemin. On a beaucoup de loups. Il y a l'ours. Les ours. L'ours, il va falloir le chasser. Parce que je veux récupérer la peau. Et après. Après, voilà quoi. Après, peut-être que si on arrive à chasser l'ours, on fera une pause par rapport aux vidéos. Et j'irai. J'irai crafter notre sac de couchage en ours. Ça serait bien qu'on tombe sur un élan aussi. Ce serait vraiment bien qu'on tombe sur un élan. Comme ça, on fait la cape. C'est là. Par contre, on voit rien, c'est chiant. On voit pas grand chose. Ouais, ça va, ça commence. Alors, le faitout, on prend. Ça, c'est bon. Est-ce qu'on a un truc? Oui, on doit manger, je crois. On a encore un steak. C'est un peu triste hein, quand on arrive en fin de zone où on a, où on a tout vu et c'est le moment de partir. C'est un peu triste. C'est un peu mélancolique. Voilà. Donc, peau de cerf. Loup. Lapin. On est à combien? On est déjà à 35 kilos. 4. C'est beaucoup 4. Hein. Tissu, on est à 40 kilos. Le livre, on peut le poser aussi. On a fini le livre. Ça prend l'emplacement. Je me suis dit, tiens, on peut le brûler. On peut le faire cuire le livre. Bah c'est bon. C'est bon, on peut partir. Par contre j'ai l'impression qu'il fait très froid. Ça m'embête un peu.
On va peut-être attendre que le vent s'arrête. Je dirais à la limite, on va peut-être dormir une heure. Ah, mais là on est bon, on se casse. Hein. Y a rien à faire. On a tous les tissus, on a les peaux. Je suis sûr qu'on peut rester encore, récupérer encore des tissus. On va peut-être attendre que le temps se calme. Pour le surpoids, on va aller. On va balancer l'eau si jamais on a besoin de place. Donc c'est pas très grave. Le temps a l'air bien pourri. Le temps a pas l'air de vouloir se calmer. Des fois, je me demande s'il y a des choses dans les boîtes en carton. Faut qu'on jette les fagotins. Tu vas les mettre à côté du feu. On va les mettre là. Bon, bah je crois que on va quand même prendre la route parce que sinon on va jamais sortir. Parce que là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on n'a rien, on peut pas lire parce que sinon j'aurais lu. On a 41 kg, on va virer toute l'eau après, y a pas de problème. On peut peut-être dormir parce que c'est vrai qu'on a passé du temps à déchirer des trucs, maintenant on peut redormir. Ça fait chier parce qu'on va être en pleine forme. On va arriver à l'abri, on sera en pleine forme. Enfin, après le coup de prendre la corde, ça va nous fatiguer, mais pas suffisamment. Ils me font chier, c'est les loups en fait. Ils me font un peu peur. Ouais, ça a l'air d'être bon là. Bien. Ah, c'est bon. On y va. C'est parti. D'accord. Au revoir Pavillon, c'était bien. Merci beaucoup de tous tes tissus. Merci infiniment. Déjà gros, c'est cool.
Et la grotte. Il y a rien dedans. Vous avez déjà flairé. S'il se rapproche un peu, il va sûrement tourner. Il nous a flairé là-bas, donc il va là-bas. Ça va, ça va. De ce côté-là, normalement, il n'y a pas de loup. Ça, c'est la corne pour descendre. Là, il y a le pont. On va faire comme ça. De toute façon, les loups, ils sont surtout sur la glace. Donc, ils cherchent peut-être du poisson. Normalement on devrait être tranquille. Sauf si ils nous sentent en fait. Genre du centre du lac. Ils arrivent à nous sentir. Parce que ça c'est fort possible aussi. Hein. On a 3. Hein. On est à 3 sur l'odeur. On est bon. Donc on a des loups qui sont de retour autour de l'abri. On a des loups qui sont de retour. Très bien. Je les ai pas mis ensemble les boyaux parce que ça c'est des nouveaux et ça c'est des anciens. Donc à un moment ou à un autre ils vont tous être secs. Alors, il fait encore jour. Ce qu'on pourrait faire, j'avais dit qu'on ferait ça et les moufles. Et à chaque fois, c'est quoi? C'est un boyau. Donc, un boyau. Deux. Ça, c'est séché. Et là, on en a un deuxième. Ok, c'est bon. On peut les faire sur les tables. Ça, par contre, je voudrais bien que on puisse les faire... sur l'établi en fait. Genre que l'établi nous aide à aller plus vite pour rafistoler les choses. Ça serait vraiment bien. On peut pas faire les fûts de flèches. Préparer. Ah, faut prendre à manger et à boire aussi, j'ai oublié. Bon bah voilà, on va faire le bonnet là. On va faire le bonnet et on est bon. Tout plein de tissu ici.
On a eu 50 du coup, ça c'est... Voilà. 5 kilos de tissu. On va réparer ça à l'extérieur, comme ça, ça... Comme ça on n'aura pas le mal de l'enfermement. Enfin honnêtement, on l'a pas là, hein, le mal de l'enfermement, mais bon. Si on peut faire les choses à l'extérieur, autant les faire à l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça c'est bon. À quoi que ça on peut le détruire. Ça c'est... Ouais, point de vue décoration, ça sert à rien, c'est moche. Ok, il fait chaud. C'est bien parce qu'on a réparé les trucs, maintenant on n'a pas froid. Donc ça c'est bon. Ah oui, il y a les bottes et le pantalon. Je crois que on devrait avoir suffisamment. Parce qu'on avait, des pots de serre là, sûrement finis. C'est séché, c'est très bien. On prend ça. Et on va le faire à l'extérieur aussi. Ah, c'est bien là, là c'est bien. Parce que là, on repart avec des... Faut qu'on prenne l'habitude de faire ça tout le temps en fait. À chaque fois qu'on va à un endroit, avant de partir, on répare tous nos vêtements. 2 heures. On répare tous nos vêtements avant de partir. Voilà, parfait. Il fait froid ou pas? Non. On va peut-être rentrer quand même. On va peut-être rentrer quand même. Mais ouais, à chaque fois, il faut vraiment qu'on prenne l'habitude de faire ça. Ça, c'est 2 heures. Fourrure de serre. On en a perdu une quand on a échoué. Je suis en train de me demander. Commandage presque niveau 3. On a perdu une peau. Ça c'est un peu bullshit là. Non. Bon bah, du coup ça on n'a pas fait 85%. Bon après tout le reste est bon, hein. Tout le reste est bon, 98, 100. Ouais, ouais, on est bien, on est bien. On est très bien. Il y a le loup qu'on pourrait faire. C'est quoi? C'est 3 heures pour le loup. Bon, je crois qu'il est un peu tard, en fait. Donc on va peut-être pas le faire maintenant. On peut peut-être le faire à l'extérieur. Je sais pas. Il va faire nuit, donc elle va pas vouloir, je crois. Je suis pas trop sûr. It's getting dark out here. I'm looking for shelter. I can't. Oh non. Oh, elle allait le faire. Merde, elle allait le finir. Suffisait d'avoir une saloperie d'aurore boréale et c'était bon quoi. Ah, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. On était à la fin, on était vraiment à la fin. Bon, c'est pas grave. Ouais, bon bah c'est pas grave. Donc ça, la fourrure, elle est bientôt prête. Je crois qu'on va dormir, on va se réveiller, on va faire... c'est des petits steaks qu'on a. On va réparer notre manteau en peau de loup. Je crois qu'on va faire ça. Du coup, le manteau en peau de serre... Enfin, le pantalon, on peut pas. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors, on va prendre... Je crois qu'on va prendre les deux faitous. Même si vraiment, j'ai vraiment envie d'en laisser un là, en fait. J'ai vraiment envie d'en laisser un là. Même les deux. Honnêtement, j'ai envie de laisser les deux. Parce que je crois que chez nous, on a assez de faitous, en fait. Et de toute façon, on a deux emplacements. Donc, je crois qu'on peut laisser les deux. Je dirais. Mais je suis pas trop sûr.
En tout cas, quand on va partir, donc le prochain épisode, on rentre à la maison. On va donc d'abord, avant de partir, faire le manteau à la limite. On va prendre toutes les peaux par terre, je crois. Enfin, là, les boyaux, on va les laisser, je crois. Ça, quoique peut-être c'est les peaux de loup, on va peut-être les laisser. On va prendre juste la fourrure d'ours. C'est juste un kilo, c'est pas énorme non plus. C'est combien ça? C'est 75. Est-ce que les boyaux, on les prend? La question, ça c'est une question. On va prendre les objets à l'extérieur aussi. Les tissus. On a du kérosène. Est-ce qu'on prend le kérosène? J'en sais rien du tout. Je vais être honnête, j'en sais rien du tout. On a les allumettes, on va prendre les allumettes. On va peut-être laisser une boîte d'allumettes ici. Une boîte de 12. On prend l'autre. Comme ça, ça, du coup, on repart avec quand même plus d'allumettes que quand on est venu. On est déjà à 5, 35. Donc, du tissu, on prendra. Les torches, on les virera si jamais... si jamais on a des problèmes de poids. Bon, après, on est à 40 max, mais on peut toujours partir plus lourd. Hein, et après, lâcher du poids sur le chemin, genre utiliser de l'eau et tout ça, boire et tout. Voilà. Je suis en train de réfléchir vraiment à ce qu'on doit prendre et tout. Après, on va sortir vite fait, une seconde. Parce que de toute façon, elle est pas fatiguée. Donc, bon. Hop, on va la fatiguer un peu. Après, on a du plomb. On a du plomb là-dedans. On a quoi? On a des plumes. Les plumes, on va les prendre. Les cuirs. Est-ce que les cuirs, on les laisse ou on les prend? La ferraille, on va les laisser. Ces tissus-là, on va les laisser. Le cuir séché. Le cuir séché, je dirais qu'on le prend. Ça c'est... Tir à l'arc, on s'en fout. Ça c'est fusil. Ça c'est la cuisine, on s'en fout aussi. On va prendre ça. Ça, ça. Celles-là sont 82%. 82% aussi. On va... Oh, c'est vrai que... Non, c'est celui-là. Ce serait tout. Fire Steel, on les garde. Je sais pas combien de feux on peut faire avec le Fire Steel, honnêtement. Je sais pas du tout combien de feux on peut faire. Alors, on a... Alors, est-ce que les outils, on les prend avec nous ou pas? Ça, c'est... Ça aussi, c'est un problème. Combustible pour lampe. On va faire des torches peut-être. Je sais pas. Oh, ça m'énerve. Je sais pas quoi prendre à chaque fois. Voilà, ça, 84. 99. Voilà. La scie, on va l'échanger aussi. Oui. On va faire celle-là, on la dépose. Ah, très bien. Les torches, ouais, je vais les détruire, les torches, je pense. C'est quoi pour créer une torche, déjà? C'est... des bâtons. 1, 2, 3. Ah, la froid. Comme ça, on aura des torches à 100% pour partir. On va
voyez ce que je veux dire? On va recycler ça. On se prépare, au final je me prépare maintenant, comme ça on sera prêt, et puis voilà. Et comme ça on rentrera tranquille. Ah très bien, est-ce que le jerrycan on le prend? Je sais pas en fait. Je sais pas si ça vaut le coup de le prendre, le jerrycan. Bien. On est à 35 kilos. Alors on a 3 torches. 100%. On a la nouvelle scie. On a le nouveau pied de biche. On a un livre à lire. Il faudra prendre des branches. Les faitous, donc. On va quand même en laisser un là. On va quand même en laisser un là. Je préfère. Voilà, comme ça. Il y a 3 thés. On en fera cuire un avant de partir. Ça, je vais déposer ça là. Genre les petits steaks là à la con. Voilà. Le bois, c'est très bien. Ouais, avant de partir, on fera un thé. On fera ça, on le boira, comme ça on aura le bœuf. On a de la viande. La viande, on la prendra pas. Enfin, pas tout. Tout ce qui est soufre. Souche, on va pas prendre ça, le plomb non plus on va pas le prendre. Si jamais on peut trouver des douilles, ce qui m'étonnerait, on reviendra ici pour reprendre ça. Là on a 2 litres, ça fait 2 kilos. On pourrait le prendre, ça nous ferait quoi, 34, on est à 35. L'eau on peut la virer peut-être. Non, ça va, on va s'en sortir. Hein. Je sais plus combien font les bouts de bois, là. Mais normalement, les bois, c'est pas trop. On va voir. 30. C'est 30 à chaque fois, tout le temps. 20 et 30. Donc après, on a la peau de l'ours à prendre, qui est 1 kg. On a au moins 5 kilos de textile, de tissu. On va pas prendre, on va pas tout prendre. Ah oui, on a ça aussi sur nous pour faire... quand on se réveillera pour réparer le manteau. Donc du coup, ouais. On pourra prendre quasiment tout le tissu avec la peau et les bois. Et on part. Et on repart chez nous. Bah au final, c'est pas... c'était une aventure, mais on n'a pas trouvé tant d'objets que ça. Pas de kit de couture, pas de pierre à aiguiser. Rien de tout ça. Hein. Vraiment rien de tout ça. Ouais, c'est un peu bof. Ça aurait pu être mieux, j'ai l'impression. Ça aurait pu être vachement mieux. Je trouve. Un peu déçu. Mais bon, après, voilà, honnêtement, la meilleure trouvaille qu'on a faite ici, dans cet endroit-là, dans cette zone-là, c'est le cache-oreille en laine. C'est ça. C'est vraiment la star, en fait. C'est le cache-oreille en laine. C'est le seul objet qui est vraiment le plus important ici. Et après, on a un peu de café. Mais ouais. Bah, des fois, hein, des fois, ça passe. Des fois, on trouve des objets vraiment bien. Des fois, moins bien. Et puis, voilà. C'est normal, non mais ça va, c'est bien, c'est bien. Voilà, ce sera tout. Et à la prochaine, et on repartira pour chez nous. Voilà, ciao ciao.